L'Iran a frappé massivement ce soir l'ensemble du territoire israélien avec de nombreux missiles balistiques. Près de 400 missiles balistiques ont frappé des sites stratégiques militaires israéliens, mais également le cœur des villes israéliennes. De très nombreux missiles ont frappé massivement les objectifs en dépit du dôme de fer, prenant en surprise l'armée israélienne. Les tirs iraniens ont provoqué l'effroi et le choc au sein de la société israélienne, alors que les centaines de missiles iraniens ont atteint Israël en seulement quelques minutes, ce qui est une surprise pour le renseignement israélien. La ville de Tel Aviv a également été frappée par les missiles iraniens ce soir dans des endroits autour du QG du Mossad. L'armée israélienne annonce qu'elle évalue le bilan alors que les tirs iraniens ont frappé le centre d'Israël. Les gardiens de la Révolution annoncent être prêts à tirer de nouveau des missiles si Israël répond alors que Netanyahou prépare une réplique ce soir. Le gisement de gaz israélien en Méditerranée a également été frappé ce soir. N'oubliez pas d'activer la cloche située à droite d'InfoMinute pour recevoir immédiatement nos vidéos. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à suivre l'ensemble de nos chaînes.